Salut, c'est Super Connard. Prépare-toi à regarder une vidéo qui déchire. Alors si t'as quelqu'un d'être aussi grosse que baguette, clique sur j'aime. 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, les amis. Et oui, l'aventure date d'il y a plusieurs années. Je voulais fêter ça avec vous plutôt que de le faire tout seul dans mon coin, tout seul. Et puis je voulais aussi vous remercier de me suivre. Bon, on va pas se mentir, je pense pas que beaucoup d'entre vous me suivent depuis 5 ans parce que j'avais genre 4000 abonnés pendant 4 ans, alors pas de foutre de ma gueule. Mais en tout cas, ça fait plaisir que vous ayez rejoint l'aventure. Moi, ça va faire 5 années que je fais des vidéos, ouais, je peux te dire. Et justement, je peux te dire que c'était pas brillant. Moi, je peux te dire que c'était pas très très festif à l'époque. Et c'est pour ça que je voulais, avec vous, faire un petit bilan de tout ce qu'on a fait durant ces 5 années. Comment ça a commencé, comment que ça a changé et comment c'est devenu grâce aussi à vous. Alors on va aller sur ma chaîne YouTube et puis on va regarder ensemble, alors voilà, ma chaîne YouTube, ma création durant ces dernières années. Alors là concrètement, on a des vidéos du type vidéo gaming, du type humour. On va dire qu'avant, c'était pas très très... Alors ce qu'on peut faire, alors attends. Ah voilà, date d'ajout de la plus ancienne à la plus récente. Et là je peux te dire, mon gamin, regarde ça, ça n'a pas du tout la même tronche. Donc ça c'était avant, voilà les vidéos. Et ça c'est maintenant, ah non, enfin à peu près, voilà. Donc ça n'a rien à voir, hein, ça n'a rien à voir, moi je... cette chaîne là, il faut savoir que c'est un ami qui l'a créé pour moi. C'est un ami qui l'a créé pour moi. What? 40 000 vues sur cette vidéo? What the fuck? C'est un ami qui me l'a créé, on jouait beaucoup à Call of Duty. Et c'est lui qui m'a dit, Cyril, tu joues vraiment bien à Call of Duty. Il faut que tu publies des vidéos sur YouTube. Et moi j'étais vraiment chaud parce que je regardais un YouTuber vraiment... Donc voilà, ça c'est ma première vidéo. Attention, c'est parti. Voilà, c'était ça ma première vidéo. Du moins, c'est la première vidéo publique que j'ai mis sur ma chaîne. Bon, c'était clairement de la merde. Mais au moins, c'est bien, j'ai su m'améliorer. C'est vrai qu'avant, je faisais que du Call of Duty. Voilà, je faisais que du Call of. Voilà, ma deuxième vidéo, par exemple, c'est ça. Attention. C'est-à-dire que j'étais tellement fier de cette vidéo, je me rappelle de la musique, c'est ça date d'il y a 5 ans, mais je me rappelle. Bah, c'est des bons souvenirs, hein. Maintenant vous avez des PewDiePie, des Markiplier, des Squeezie. J'étais tout petit, hein, je savais pas faire de montage, hein. Non. Pour vous dire, ces vidéos-là, elles ont été directement créées avec YouTube. Alors tu rajoutais juste une piste audio et paf, ça fait des chocs à pic. Alors ça, c'était un de mes premiers frags vraiment que j'avais publié sur YouTube. Attention, mesdames et messieurs. Ouais. Temper shot collatéral. Et là, les amis, je sors du dossier du Zizi. C'est mon premier vidéo. Mon premier vidéo commenté. Attention, déjà l'intro. Attendez, je monte le son. Eh, je peux te dire, 2011, une intro comme ça. 3D. Couleur, t'as vu, on avait déjà un peu cet esprit coloré, super connard, hein. J'avais déjà un petit petit idée à la tête. Je peux te dire que coloré comme ça, c'était une belle intro, j'en étais fier. Je la montrerai à tous mes copains. Attention, on a du lourd qui arrive. Alors déjà, tu vois le mec. Tu le vois tout de suite, le petit collégien là qui fait... Si tu likes, Clara Morgan elle frappe à ta porte. 3000 likes, vous savez, c'est genre énorme. Hein. J'ai vu 3000 likes, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'habitude, je faisais 1000 vues. 1000 vues, 3000 likes, 150 000 vues. Premier gros succès. Alors là, j'étais chaud des likes. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Hein, Attention, par contre, là, ça refroidit. Salut tout le monde, c'est Super Connard. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit tuto du Trickshot MW2 que je vous ai promise il y a quelques jours. C'est ouf parce que vraiment, je me souviens, mais mot pour mot des vidéos. C'est bonjour à tous et à toutes, c'est Super Connard. On se retrouve pour une vidéo que je vous ai promise. À tous. Et à toutes. La motivation même. C'est-à-dire que, alors là, par exemple, on a un beau micro, on a du bon son, tout ça. Mais avant, j'avais même pas de micro. C'est-à-dire que je me suis mis sur mon PC. Je me dis, allez, vidéo commentée, c'est parti. Et puis là, je me suis dit, merde, comment j'enregistre ma voix? Je me suis assis, je me suis dit, ah bah non, faut que je m'enregistre. Alors du coup, si je me trompe pas, j'avais pris mon téléphone, j'avais téléchargé une appli qui te permettait d'enregistrer ta voix et vous avez fait ça, c'est vraiment le montage du Blade. Et vous tapotez le Y, regardez, c'est simple. Donc, j'avais mis bien la petite facecam improvisée là avec la manette. Hé, attention hein.
Donc j'ai deux Face Manette en 2011, hein, c'est pas Face Camera, c'est Face Manette. J'ai pas envie de. Regarde, oh là regarde, la manette en fait elle est même pas branchée. Regardez. C'est très dommage parce qu'il n'y a pas mes toutes premières vidéos, elles datent de 2008, je crois, si je me trompe pas. Elles sont pas sur YouTube, elles n'ont jamais été publiées sur le net parce que bah. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des vidéos sur le net. Et en gros, c'était tous mes cartons, ils étaient empilés comme ça. Et j'avais un tout petit appareil caméscope, genre 3 mégapixels, que je faisais tenir en équilibre. Et je jouais genre 3 minutes et je mettais de la musique. Et ça, mon gars, c'était de la vidéo. Ah, je peux te dire, heureusement que je les ai pas mis sur internet. Parce que là, c'était le bus intersidéral. Donc voilà, les vidéos se sont suivies. On a fait des montages. Je peux vous montrer un petit extrait de clip vidéo. Ça, c'est voilà. Action ! Bam ! Triple kill ! On enchaîne. Quad feed brock, bam. Là, attention, ça continue. Attention, 720. Hop, hop. Triple tomahawk. On est en 2012, les amis. 2012, et encore, je l'ai rentré en 2011, ce clip. Tac, là, ça s'enchaîne. Au sniper, regardez. Sur Black Ops, bam. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 6. Ah, ça tue, hit marker. S'il n'y avait pas hit marker, je continuais. Feed. Tac, ça s'enchaîne. C'était vraiment l'époque Call of Duty. Attention, bam. Double, triple. La quad feed qui s'enchaîne là. Bam, quad feed. Ah, c'était une bonne époque. Paf, 50 screen, high rise. Je suis même fait éditer par Phase SLP. Alors là, par contre, je me suis fait éditer. Les gens étaient tellement jaloux. Regardez, j'ai eu beaucoup de dislikes. Dégueulasse, franchement. Dégueulasse, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. J'étais édité par Phase SLP, c'est un des meilleurs éditeurs au monde sur Call of Duty. Et j'avais 5000 abonnés à peine. Le mec, il éditait la Phase qui à l'époque faisait 1 million de vues par vidéo. C'est vraiment ouf, je sais pas pourquoi. Le mec, il me dit j'adore les gameplays sur Black Ops et toi, t'en fais des bons, je vais te faire un edit et tout. Moi, j'étais aux anges, hein. J'étais aux anges, mon gamin, je peux te dire. J'ai vu le message, j'ai fait, mais je comprends pas. Tu sais, j'avais créé ma team, la We Are Super, hein. D'ailleurs, on peut aller voir. La We Are Super. Alors ça, c'est une team que j'avais créée. Vous voyez, on a même plus de logo. C'est du 2013. Mais regardez la qualité. En 2013, nous, des tout petits, hein. Regardez la 3D. Regardez, il y a des boules. Il y a des boules en 3D. Et là... Que de souvenirs, les amis, vraiment, c'est une époque que je n'oublierai jamais, je pense, à mes débuts sur YouTube. Tous les joueurs devaient créer des montages, et on essayait d'en uploader un maximum, on était passionnés, on jouait toujours à Call of, toujours en... C'était vraiment une superbe époque. J'ai arrêté la team pour me consacrer aux études, hein, tout simplement. Là, on peut voir, on avait fait une LAN. Regardez, on peut voir ma tête, ça va être du dossier. Regardez ma tête. Alors, je sais pas. Ah, regardez, j'ai 12 ans, tu sais, on dirait. Oh putain. Là, vous allez voir Tech et nous on joue en LAN et tout là. Regardez, moi je suis tout derrière. C'est quoi les teams là? Et puis, les amis, est arrivé Grand Theft Auto 5. You fuck my wife. Ah, bam. Tiens, petit enculé. On sent l'humour. Non, je rigolais. Blague. C'est pour rire. Mon dieu, c'est une blague. Putain de merde. Voilà, donc ça concrètement c'est vraiment ma première vidéo hors Call of Duty. Et je me suis dit mais putain c'est trop cool, c'est marrant. Alors tout de suite tu vois un peu walkthrough délire, j'ai tenté un petit truc. Et puis j'ai directement passé à la fin du jeu, je dis bon allez c'est pas grave, j'arrête les vidéos et tout, ça m'intéresse pas trop. Et puis quand GTA Online est sorti, pour ceux qui s'en rappellent, sur 360, on pouvait pratiquement pas jouer en ligne. C'est-à-dire que quand tu voulais te connecter, t'avais toujours un message d'erreur. Ça te mettait Rockstar erreur, vous ne pouvez pas jouer en ligne, voilà, concrètement. Et du coup, moi j'étais avec Benko, je le connaissais déjà un petit peu, moins qu'aujourd'hui. Et puis on voulait jouer avec Teko, Benko, Carter, enfin tous les copains. Et moi je pouvais pas, eux jouaient mais moi je pouvais pas. Mais j'étais frustré, vous imaginez pas, j'attendais ça depuis des années. Et j'avais pas trop le temps parce que j'avais la fac et tout. Je devais aller au taf parce que j'étais en stage. Et je pouvais pas jouer. Du coup je me suis dit, il faut percer, il faut tenter. Il faut tenter quelque chose. J'ai essayé de 7h, de 19h à 2h du matin je crois. Où j'étais comme ça devant mon écran.
désespéré, je ne te raconte pas. Et puis ça n'a pas marché. Du coup, le lendemain, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo pour gueuler un coup là sur Rockstar, je vais me foutre de leur gueule, je vais faire une parodie. Comment jouer à GTA V ou GTA V le meilleur jeu au monde et mettre le message d'erreur. Et donc du coup je lance mon PVR, hein, c'était le truc pour record l'écran, je mets mon micro et tout, je fais allez c'est parti, je vais faire ma parodie, tac, je lance, et là ça marche. Je suis en ligne les amis, avec mes potes, et tellement content, j'oublie que je suis en train de filmer, vraiment, j'oublie totalement. Mais pourquoi? Mais putain! Non. Vas-y viens, se barre. Eh, c'est toi qui l'as tué. Bonne nuit, Lozel, bordel de merde. Oh là là, le virage, comment j'ai trop bien pris. Pareil, merde. Mais putain, c'est con. Mais putain. Il me rentre dedans, là, sans culer. Ouais, il est arrivé, dépêche. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais aller vite devant, il faut lui me la faut, mec. Du coup, j'ai arrêté le rec. Et j'étais tellement content d'avoir fait cette partie que je me suis dit, attends, il faut que je le garde en souvenir, je vais la mettre sur YouTube. Mais ça faisait genre une heure et demie de vidéo. Et comme j'avais une connexion de merde, je pouvais pas upload une heure et demie. Du coup, j'ai coupé et j'ai pris les petits morceaux préférés, les petits morceaux où on s'est bien amusé. Et je les ai mis sur ma chaîne principale qui était abandonnée parce que j'avais arrêté les vidéos depuis au moins un an et demi. Et puis les quelques abonnés qui sont restés sur ma chaîne, ils ont trouvé ça super cool. Ils ont dit putain c'est cool, vas-y refais-en une. Et puis j'ai fait une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et puis après je me suis amélioré, j'ai vu les chaînes américaines comme Speedy, tout ça, qui mettaient de la musique, des effets. J'ai continué à faire les montages et montages. Et puis voilà. Voilà comment ça a commencé tout simplement. En tout cas j'espère vraiment que regarder mes vidéos ça vous détend au moins un petit peu de temps en temps en fin de journée. Et je suis vraiment très content de vivre cette aventure avec vous. Ça fait des années que je fais des vidéos et être à ce stade là après tout ce qu'on a fait sur YouTube, c'est vraiment un pur kiff. Je suis vraiment vraiment super heureux d'être à ce niveau là quoi. Je vous remercie infiniment. J'espère que ça vous aura plu parce que je sais que je commence à avoir vraiment une grosse chaîne et j'ai pas envie que les gens pensent que je change ou que je devienne un gros youtubeur. Enfin je suis toujours ce petit youtubeur qui fait plein de vidéos. Sur ce les amis, je vous fais les gros bisous, amusez-vous bien, profitez. On se retrouve bien évidemment pour les vidéos. Alors attends, les vidéos spéciales 800 000 mais qui traînent parce que je fais des petits trucs, vous allez voir, ça va être super drôle. Donc ça sera peut-être plus pour les 850 000, on va se trouver une excuse dans le genre. La FAQ qui arrive et puis la petite surprise. Restez branchés sur les internets les amis. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, à bientôt, salut.